Bien. Bonjour à tous. On va démarrer. On va laisser le temps au dernier d'arriver tranquillement. Bienvenue. On continue avec notre deuxième conférence de la saison. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Atef Asnasios, qui est venu de Paris ce matin avec un train qui était pas trop en retard, donc ça va. Qui vient du laboratoire MSC, Matières et Systèmes Complexes, de l'Université Paris 7. Et, alors, je ne sais pas comment il faut dire, c'est quoi, c'est PS, LP... Non, alors c'est Denis Diderot, l'université de laquelle, ou Paris Diderot, mais maintenant on va passer au 1er janvier à Université de Paris. On fusionne, donc ça y est, maintenant on est... Voilà, c'est du sérieux, on est l'Université de Paris. Voilà, tout simplement l'Université de Paris, finalement. Et nous, on a quand même encore Rennes 1 et Rennes 2, tu vois. Ouais. Ça va venir. Le temps que donc, les gens s'installent. Donc voilà, on est très content de recevoir Atef aujourd'hui. On va donc bouger, on a parlé de cosmologie la dernière fois. Là, on va descendre à des échelles beaucoup plus petites. On va parler de nos cellules. On va regarder comment est-ce qu'on peut faire de la physique et de la mécanique dans les cellules et regarder comment tout ça se couple aux fonctions biologiques de la cellule. On va commencer, voilà, le temps que les gens se posent. Atef, tu voulais dire. Merci beaucoup Arnaud. Ouais. Merci à tous d'être là. J'étais un peu tendu parce que ça fait un moment maintenant que je présente beaucoup de choses en insistant sur les fonctions biologiques, parce que ça amène aux fonctions biologiques. Et puis là, on m'a dit quand même l'Institut de physique, donc il faut que je remette plutôt l'accent sur la physique. Et du coup aussi, je vais essayer de faire une petite introduction pour essayer de placer ça dans le contexte un tout petit peu, si vous n'êtes pas trop familier avec ce qui se passe au niveau du vivant et de la mécanique et l'importance de la mécanique dans le vivant. Et donc pour cette petite introduction, je voulais parler d'un processus qui est un peu emblématique, qui va nous poser le problème. Souvent on dit « Oh, mais le physicien, il s'amuse avec ça, mais ça ne sert à rien », ou vice-versa, c'est super important. Le physicien dit « C'est super important ». Alors le meilleur moyen d'illustrer un peu la chose, c'est de parler du développement et de la morphogénèse. Donc tous les êtres vivants se développent à partir d'un œuf, qui est plutôt isotrope. Et puis quand on dit « on va acquérir une forme », donc la morphogénèse, et dans tous les cas, et là je souligne dans les deux cas donc, la partie animale, donc vous avez ici une mouche, qui va se développer. Et là, vous voyez en fait un milieu qui ressemble beaucoup à un milieu comme une mousse, milieu cellulaire. Donc ça, c'est les cellules. Là, vous avez une plante, alors pareil, qui est en train de pousser. Et vous voyez aussi ici le tissu fait de cellules. Alors avant de parler des différences entre les deux, évidemment, morphogenèse, croissance, ça veut dire contrainte mécanique. Donc ça veut dire que, de toute façon, ce processus qui est quand même fondamental, c'est de la biologie, hein, c'est le développement d'un être, un organisme vivant, c'est lié à de la mécanique, bien sûr. Et là, on va le voir avec ce premier film, où vous allez voir, en fait, alors, les cellules se multiplient, croissent, mais surtout ici, on insiste sur le fait qu'il y a des écoulements. Vous allez voir, en fait, des déformations ici, drastiques. Donc, il y a ici il y a une contraction dans ce sens, un allongement dans l'autre direction. Et là, vous allez avoir une invagination. On va créer, en fait, du 3D à partir d'un épithélium qui est 2D. Et donc, vous voyez, grand mouvement, des cellules qui sont très allongées ici, vous voyez. Et donc, c'est plein de contraintes, en fait. Et il va bien falloir coordonner, si ce n'est une symbiose, entre les contraintes mécaniques et la production biologique au sens protéines, division, et ainsi de suite. Alors évidemment, ça c'était ce qui se passe dans la mouche, mais vous vous rendez bien compte qu'une tige comme ça, une plante qui est en train de pousser de manière dirigée, il y aura aussi des contraintes, il y aura des déformations cellulaires, et encore une fois, les contraintes mécaniques sont partie prenante en fait, du développement et de la biologie. En fait. Alors, je descends d'un cran, et là, j'essaye juste de dire les choses importantes sur la cellule vivante, avant de passer à la physique. Donc là, vous avez le règne animal, donc ici un poisson, végétal. Et alors, voilà ce qu'on trouve dans les livres, la structure des cellules animales et végétales. Donc, une grosse différence, évidemment, le végétal, vous avez ici une paroi rigide, beaucoup de cellulose, en fait. Et sinon, à l'intérieur, c'est à peu près la même chose. Et quand on montre la structure, on montre surtout quoi ? Ce qu'on appelle les organelles, donc évidemment le noyau, le siège de production de toutes les protéines, et tout un tas d'autres organelles. Alors on peut citer ici les mitochondries qui vont fournir en fait le fuel, l'essence, l'énergie. Et alors, en fait, quand on voit ça comme ça, de vraies structures, on n'en a pas parlé vraiment, c'est-à-dire, je vais descendre, tout ça c'est du liquide, certes un milieu liquide encombré par plein d'organelles, mais pour l'instant, c'est quand même liquide. Donc ça ne va pas supporter beaucoup de contraintes. Donc si je regarde à l'intérieur maintenant, je vais trouver des réseaux de polymères qui vont constituer la véritable architecture qui va supporter les contraintes mécaniques. Et éventuellement,
contrôler la forme cellulaire. Alors on peut les citer, bon, je ne vais pas rentrer dans ces niveaux de détails. Il y a les filaments d'actine qui sont en fait les plus connus et les plus étudiés dans le monde animal parce que c'est un réseau très dynamique et qui, vous allez voir une slide plus loin, associé à de la myosine, un moteur moléculaire, va pouvoir permettre de produire, générer de la force. Donc transformer l'énergie chimique en énergie mécanique. Il y a les microtubules qui ont un des autres grands acteurs de l'architecture cellulaire et qui sont notamment, peut-être vous le savez ça, interviennent beaucoup dans la division cellulaire, à l'organisation du cytosol dans la cellule animale. Il y a un autre type de filament qui n'est pas très étudié, qui sont les filaments intermédiaires, qui sont, disons, les plus stables et qui, quelque part, assurent un peu une sorte de structure permanente qui permet de garder une certaine tenue mécanique globale. Bon, on va dire ça comme ça du point de vue de physicien. Évidemment, c'est à la SERP, c'est un peu trop rapide par rapport à la biologie, mais je n'ai pas le temps de faire autrement. Donc je reviens, je me concentre. Donc là, vous voyez, vous avez à gauche une image d'une cellule étalée sur un substrat, un gel. Là, vous avez ici en code couleur les déformations du gel qui sont donc directement liées aux contraintes. Et donc le point important que je vais moi conserver pour toute la suite de mon exposé, c'est cette architecture. Et l'architecture, donc deux grands composants. Alors vous avez des marquages fluorescents ici en vert. Donc ce qui est marqué en vert, ce sont les filaments d'actine, donc un des filaments du cytosquelette, qui sont en fait ici, c'est des fibres de stress. Ils sont associés en fait à des moteurs myosines, comme je disais. Et donc ça va être, ces structures vont être capables de produire de la force contractile, comme dans nos muscles, en réalité. Par ailleurs, donc là, vous avez le schéma à côté. Donc bah, ma cellule, avec le noyau schématisé. Là, les câbles actomyosines, donc contractiles. Et évidemment, il va falloir ancrer cette structure au milieu extracellulaire. Donc ça peut être les cellules voisines, ça peut être la matrice extracellulaire, comme le collagène dans l'organisme pour fabriquer les organes. Et donc, on va pouvoir comme ça attaché, donc là j'ai fait un zoom, on voit ici en vert et noir les structures contractiles, le cytosquelette, quelques protéines adaptatrices qui permettent de faire le lien, vous avez, on en reparlera un petit peu après, les protéines transmembranaires, là c'est la membrane de la cellule qui fait la frontière entre milieu intérieur aqueux et milieu extérieur aqueux aussi, et donc cette protéine-là, ça va être une protéine d'adhérence transmembranaire qui va donc ancrer tout l'architecture cellulaire, le cytosquelette au milieu extracellulaire. Donc là, en fait, on a un lien mécanique. Donc on peut produire ici de la contrainte, on peut modifier la forme cellulaire et transmettre ces contraintes, ancrer la cellule au milieu extracellulaire. Donc là, on a nos acteurs préférés. Et donc vous voyez que du point de vue du physicien, j'ai carrément transformé la cellule en espèce de vésicule. Donc là, vous avez la double couche qui sépare milieu intérieur et milieu extérieur. Protéines transmembranaires. Les croisillons ici, c'est un cytosquelette, par exemple actomyosine à 2D, qui va faire ce qu'on appelle le cortex. Et je vais y revenir parce que ça va jouer. Il y aura de la tension et ça ressemblera beaucoup à la tension superficielle pour les gens qui travaillent en matière molle. Un lien physique entre cytosquelette et quelque chose, un cytosquelette qui est plutôt tridimensionnel. Un lien physique jusqu'au noyau. Et donc ce que vous voyez maintenant, c'est qu'on a une chaîne milieu environnant, par exemple ici matrice extracellulaire, collagène. Lien physique à travers les protéines transmembranaires. Lien physique cytosquelette. Et on va aller jusqu'au nucléosquelette, donc l'architecture du noyau dans laquelle je ne vais pas rentrer maintenant. Et donc on peut comme ça penser, et ça a été montré, je ne vais pas en parler aujourd'hui, on peut appliquer une contrainte ici, tout déformer jusque dans le noyau et modifier l'expression génétique. Donc ça, c'est la grande idée. On a une architecture avec du cytosquelette. Donc je reviens un peu pour situer le problème du lien mécanique fonction biologique, donc à cette croissance orientée, donc anisotrope, des plantes. Alors pourquoi je montre ça? Parce que on a effectivement une plante qui croît sur la verticale ici, donc quelque part il faut qu'elle détecte la gravité. Mais une fois qu'on a détecté la gravité, je ne rentre pas dans ce détail-là, on va se poser la question suivante, comment grandit cette plante? Eh bien, concrètement, chaque cellule est sous pression. Donc c'est de la pression de turgescence dans les manuels de bio. Concrètement, c'est de la pression osmotique qui est régulée. Il va y avoir 10 atmosphères. Et donc la cellule, elle est piégée dans sa coque de cellulose, grossièrement. Alors, ce que vous voyez, c'est que le moteur de la croissance, c'est la pression, donc c'est isotrope. Et donc, la question, c'est comment je peux faire avec un moteur, entre guillemets, de croissance qui est isotrope, quelque chose qui va pousser de manière anisotrope. Donc, voilà, on a tout résumé ici. Et ce qui va se passer, là, concrètement, c'est qu'il va falloir faire en sorte que la coque, la paroi, ait une rhéologie, donc une mécanique qui est anisotrope. Si j'arrive à faire ça, donc typiquement, si par exemple je renforce les parois latérales et je ramollis les parois verticales, j'ai quelque chose qui va être contenu latéralement et qui va grossir sous l'effet de la pression de manière verticale. OK ?
Mais alors, qui va décider de ça? Qui fait que la paroi extracellulaire est anisotrope en rhéologie, en mécanique? Le truc, c'est que c'est la cellule elle-même qui produit la membrane, la paroi qui l'entoure. Alors, les gens ont étudié ça. Et si on s'intéresse à ça, on se rend compte de la chose suivante. C'est que donc vous avez ici, d'un côté, en vert, marqué la cellulose, les fibres de cellulose qui sont dans la paroi qui entoure la cellule. Et ici, vous avez marqué les microtubules, donc un des filaments du cytosquelette. Et ce que vous regardez, en fait, globalement, c'est que les gens se sont rendus compte que les fibres de cellulose, qui sont donc synthétisées au sein de la cellule et après extrudées vraiment vers l'extérieur pour fabriquer la paroi, en fait, ils avaient une disposition qui était hélicoïdale, donc quelque part pour entourer, pour renforcer latéralement la cellule. Et par ailleurs, ils se sont rendus compte aussi que les microtubules, donc la cellulose, c'est à l'extérieur de la membrane, donc à l'extérieur de la cellule, les microtubules sont à l'intérieur, donc ils sont de part et d'autre de la membrane plasmique, donc la bicouche. Et ce que les gens ont finalement trouvé, c'est la chose suivante. Donc vous avez ici un schéma. Donc là, les phospholipides, donc la membrane plasmique qui sépare intérieur et extérieur. À l'intérieur, vous avez les microtubules. En protéines transmembranaires, vous avez la cellulose synthétase. En fait, c'est un complexe protéique à travers lequel on va polymériser et sortir la cellulose à l'extérieur pour la déposer et fabriquer la paroi. Et ce qui va se passer, en fait, action-réaction. Je produis, je pousse, j'extrude une macromolécule de cellulose. Ça va pousser ici le complexe protéique qui est dans la membrane. La membrane est fluide, et donc il va avancer. Et en fait, la disposition hélicoïdale des microtubules à l'intérieur de la cellule vont guider l'avancée de la cellule synthétase, la cellulose synthétase. Et donc, en fait, en même temps qu'elle pousse, elle va poursuivre une trajectoire hélicoïdale et donc déposer la fibrille de manière hélicoïdale. Alors, vous voyez, évidemment, c'est toujours le même problème. C'est imbriqué, mécanique et synthèse, disons. Mais évidemment, c'est toujours le même problème, c'est la poule et l'œuf. La causalité est très compliquée à dire. Et en réalité, on arrive à l'idée suivante. Qu'est-ce qui fait que les microtubules à l'intérieur donc, sont orientés de cette manière-là? Donc là, il y avait eu des travaux dans lesquels notamment Yves Couder a été impliqué, c'était de montrer que finalement, les microtubules, l'orientation des microtubules eux-mêmes était liée aux axes principaux de contrainte. Donc je prends l'exemple ici. Ça c'est l'apex, donc la pointe qui pousse d'une tige d'Arabidopsis, en fait une plante du colza. Et ce que les gens ont montré, c'est que c'est sous pression. Et donc vous voyez que suivant les rayons locaux, si j'utilise la loi de Laplace, j'ai des distributions des axes sur lesquels la tension est plus ou moins importante. Et ils ont corrélé en fait la distribution, l'orientation des microtubules, donc les filaments du cytosquelette, à l'intérieur de la plante avec les axes principaux de contrainte. Donc finalement, l'idée, et vous voyez, on arrive à des choses que nous, on essaye de faire actuellement, on arrive à l'idée de montrer directement que dès qu'il y a une anisotropie, dès que la moindre brisure de symétrie, il va y avoir une distribution de contraintes qui va être telle qu'elle va orienter les microtubules et que les choses vont s'enclencher pour auto-organiser finalement la pousse et les dépôts de cellulose et ainsi de suite. Donc là, vous voyez par exemple, je crois que j'ai un petit film, on prend là avec nos dispositifs, on vient attraper une cellule de plante avec sa coque. Donc ça, ça n'existe pas dans la nature, c'est un peu une chose un peu bizarre. On isole une cellule de plante. On l'attrape entre deux micromanipulateurs, en fait. On peut ici contrôler la force, mais j'y reviendrai plus tard. Et on va pouvoir, en fait, essayer de suivre ici, en temps réel, la dynamique des microtubules en fonction des contraintes qu'on applique. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas évident qu'on commence, mais... Voilà. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que, de toute façon, tous les processus biologiques, notamment le fondamental, le développement, vous avez des contraintes qui sont mises en place et... Les cellules, l'architecture cellulaire y répond et organise en fonction en fait toute la croissance. Et donc c'est vraiment mécanique et biologie sont complètement imbriqués. Donc ça c'était un peu quelque chose pour vous montrer un peu où on s'y situe les travaux qu'on essaye de faire dans ce domaine, qui maintenant a un nouveau nom qui s'appelle la mécanobiologie. Et ayant dit cela, je vais passer maintenant à juste peut-être un transparent. Oui, je voulais juste dire que notamment au labo.
tout ce que je viens de raconter. Donc moi, j'ai parlé de la plante. Alors on peut aller jusqu'à la plante, jusqu'à la mécanique de la plante, au sens un arbre soumis au vent et comment ça réagit, la rétroaction qui fait qu'on arrive à renforcer l'arbre, par exemple, contre le vent. Mais on peut aussi descendre jusqu'au nanomètre. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. J'ai parlé d'extruder tout à l'heure des protéines comme la cellulose à travers les cellules synthétases. Et ben, en fait, pareil, il faut faire passer l'ARN à travers... des pores nucléaires. Et là, c'est pareil, il y a de la physique à faire, à la fois expérimentale, et aussi appliquer des théories comme quand on fait par deux gènes, le passage d'un polymère semi-flexible à travers un port, et ainsi de suite. Et par exemple, au labo, chez nous, il y a des gens qui travaillent à cette échelle-là. Alors, on n'a pas encore cette échelle-là complètement, mais jusqu'à l'animal, en passant par la cellule, dont je vais parler beaucoup aujourd'hui, et aussi l'auto-organisation dans les premiers stades de l'embryon, ou des choses comme ça. Donc, il y a de la physique à toutes les échelles au niveau du vivant. Voilà, donc j'en arrive un peu plus là au cœur de mon exposé. Je vais vous parler de deux choses en insistant plus sur le côté physique pour le coup. Donc moi je suis physicien expérimentateur, je vais vous montrer quelques manips qu'on a faites. Et donc je vais parler de deux choses essentiellement. La prolifération cellulaire, on va voir que la prolifération cellulaire, donc la capacité des cellules à se multiplier, à se reproduire, même in vitro. On va voir que derrière ça, il va y avoir une analogie avec le mouillage qui est assez surprenante. Ça sera mon premier point. Et j'enchaînerai avec un deuxième point qui est la durotaxie, donc la capacité des cellules vivantes animales à détecter la rigidité de son environnement et s'y adapter. Et derrière ça, on verra qu'il y aura quelque chose de l'ordre de l'adaptation d'impédance des générateurs de force qui sont l'actine et la myosine. Donc pour situer ces deux questions, ben en fait, c'est des observations qui datent d'assez longtemps, finalement, pour la première. Donc vous voyez ici, j'ai marqué le micro-environnement contrôle, environnement mécanique contrôle les fonctions biologiques. Donc vous avez ici des cellules que les gens, dès 1997, ont fait pousser, ont cultivé, sur des substrats en fait, synthétiques où on arrive à faire des îlots de différentes tailles, de différentes surfaces, des îlots d'adhérence. Donc on permet aux cellules d'adhérer. En dehors de ces îlots, les cellules ne peuvent pas s'attacher. Or, c'est des cellules qui sont dans l'organisme en général attachées. Sans attache, en fait, elles rentrent en apoptose, la mort programmée. Et ce que les gens ont observé ici, par exemple, vous pouvez voir cette courbe ici, à droite, ça, c'est l'apoptose, donc c'est le taux de mort cellulaire ou de suicide, d'une certaine manière. En fonction de quoi? En fonction de l'air qui est donné à la cellule pour s'étaler. Donc, vous voyez que bah, très peu d'air de contact, bah, beaucoup de cellules sont en train de mourir. Et puis, à un moment donné, quand j'augmente l'air, je réduis l'apoptose. Et dans le même temps, l'axe de droite, c'est en fait la prolifération, donc la quantité de cellules qui arrivent à se diviser pour augmenter le nombre de cellules en culture. La question, évidemment, ici, c'est comment la cellule détecte cette surface et comment elle arrive à y inférer sa prolifération. L'autre grande question dont je parlais, c'est ce qu'on voit ici. On s'est rendu très vite compte que beaucoup de fonctions biologiques étaient liées à la rigidité du substrat de culture. Donc là, on a un cas, ça c'est, vous voyez ici, vous avez différentes photos qui correspondent ici à différents modules de substrat de culture. De quoi? De myoblastes, donc c'est des cellules prémusculaires. Ces myoblastes, ils vont fusionner. Et quand ils vont fusionner, vous voyez ici, alors on voit plus ou moins bien, on voit des espèces de stries ici. En fait, les cellules fusionnent, forment ce qu'on appelle des myotubes, donc c'est une pré-fibre musculaire. Elles fusionnent, elles partagent leur matériel, et elles vont mettre en place en fait, une structure très très organisée, quasi cristalline, d'actine et de myosine, qui va être en fait... le futur muscle, avec des contractions qui sont normalement locales, hein, c'est des molécules, donc actine et myosine, mais comme je les arrange à échelle macroscopique de manière cristalline, je peux avoir une contraction à échelle macroscopique. Et donc ce que vous voyez, c'est que là, je pars 1 kPa pour le module du substrat de culture, là, jusqu'à 17 kPa, et j'ai une zone intermédiaire à 8, 11 kPa de module élastique du substrat, et ce qu'on voit, c'est que là, c'est très lisse, donc les molécules n'ont pas réussi à s'arranger, j'arrive pas à former une fibre contractile. Là non plus. Par contre, dans la zone intermédiaire, eh bien, j'arrive à faire des choses qui sont structurées pour faire de la contraction. Et donc l'idée, c'est que toute chimie égale par ailleurs, eh bien, les cellules arrivent à évoluer, à se différencier, à aller vers l'organe fonctionnel si je suis dans une zone intermédiaire. Et en fait, ce qu'ont montré l'équipe qui était là, c'est que cette zone de entre 8 et 11 kPa, ça correspond à la rigidité apparente du muscle sain. Donc ça veut dire que les cellules se mettent à se différencier, vont vers leur destin cellulaire, entre guillemets, si elles sont dans le bon environnement mécanique. En dehors, elles n'y arrivent pas. Donc c'est comme s'il y avait, alors les biologistes parlent de checkpoint, alors il serait des mécaniques ici, une vérification, est-ce que j'ai dans le bon tissu avant de me développer? Donc là, même question, est-ce qu'on peut comprendre comment la cellule est capable de détecter la rigidité de son substrat? Donc c'est de la mécanique ou de la physique, bien évidemment. Donc je reviens juste pour refixer les idées, à mon transparent d'avant, bah, il va y avoir deux acteurs dans cette histoire-là. Le cytosquelette actomyosine, qui est l'élément qui génère les forces,
contractiles, et les complexes d'adhérence qui vont transmettre ces forces vers l'extérieur. Et alors, donc, première chose à dire avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que ces fameuses adhésions, donc ici vous avez en fait une cellule qui est étalée, ça c'est pas nous, sur un substrat qui est déformable, et à partir de cette déformation du substrat, on peut mesurer les forces appliquées par la cellule. Et ce que les gens ont montré par ce mélange de mesures de force et de mesures de l'air des complexes d'adhérence par fluorescence, montrer la corrélation entre la force appliquée par la cellule sur le substrat et la taille des adhérences. Et ce que vous voyez ici, vous avez l'air dans les adhérences en fonction de la force, et vous voyez qu'il y a une certaine proportionnalité. Ça, ça a été quelque chose de très important à une certaine époque. Donc, ces adhérences sont mécanosensibles, elles sentent la force, et elles s'adaptent. Alors, c'est un peu l'attente de Decathlon qui est super smart. Le vent pousse et va arracher les sardines, et les sardines se renforcent, on rajoute des sardines pour renforcer le point d'attache. Donc ça, c'est la sensibilité des adhésions, ça va être très important par la suite. Alors l'autre chose très importante, donc elles sont mécanosensibles, ces adhésions. Je vous ai fait un schéma tout à l'heure qui était hyper simple. Là, vous avez un schéma qui est beaucoup plus compliqué. Vous avez ici en bleu ciel la membrane plasmique, toutes les protéines transmembranaires, dont les protéines d'adhérence. Vous avez ici les filaments actines avec la myosine, qui est donc la structure mécanique qui crée les forces. Et entre, en fait, j'avais parlé de protéines adaptatrices. Il y en a en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et si je parlais maintenant de leur interaction, le schéma sera encore plus compliqué. Mais le point important ici, c'est qu'effectivement, il y a des réactions chimiques en chaîne et qui vont remonter jusqu'au noyau. Ça veut dire que de l'état, j'allais dire, de la complexité des interactions dans ces complexes d'adhérence va dépendre un certain nombre de signaux biochimiques qui vont effectivement dire à la cellule « je rentre en prolifération » ou « je rentre en apoptose ». Donc là, vous avez ces adhésions focales ou ces adhérences focales. C'est en fait un nœud de convergence entre la signalisation biochimique, donc la bio, et la signalisation mécanique, puisque c'est par là que passent les forces pour attacher au substrat. Donc ça, c'est le point, un peu le nœud, c'est le cas de le dire, de l'histoire. Et maintenant, je vais plus dans le vif du sujet. Donc je reviens au premier point que je voulais souligner, qui est comment une cellule, vous vous souvenez, peut détecter la surface sur laquelle elle est allée pour, en fait, adapter sa prolifération. Donc j'avais montré cette courbe. Alors le point qui nous a intéressé, nous, parce qu'à ce niveau-là, donc, je viens de parler des adhérences focales, et ce qu'on peut se dire, c'est que je m'étale, j'ai plus de surface de contact, donc j'ai plus d'adhérences qui sont formées avec le substrat. Mais du coup, comme je vous l'ai montré, il y a plus de signalisation chimique. Donc plus j'ai de surface et plus je suis heureux, puisque j'ai la signalisation qui me dit oui, il y a plus en plus de surface, et je peux comme ça mettre en branle toutes les fonctions biologiques. Le problème, c'est que quand vous voyez ici cette courbe, elle a une cassure. Et donc on a envie de dire qu'il y a peut-être un seuil, que ce n'est pas tout ou rien, ce n'est pas juste linéaire avec la surface. Donc il doit se passer quelque chose avec une certaine valeur de surface éventuellement qui est par là. Donc, comme je vous disais, les molécules sont mécanosensibles. Alors, il y a autre chose qui était intéressante, c'est que beaucoup de gens avaient étudié, et notamment sur des substrats qui permettent de mesurer la force de traction cellulaire, avaient étudié l'étalement cellulaire en dynamique. Ils regardent la cellule se déposer, s'étaler. Donc ça, c'est un peu comme l'étalement d'une goutte. Et ce qu'ils ont vu, par exemple, ici, vous avez l'air d'étalement en fonction du temps. Et ce qu'ils ont mis en gros en évidence, c'est qu'il y avait deux régimes d'étalement, un régime rapide. Donc là, l'air augmente beaucoup au cours du temps, puis un régime un peu plus lent. Et ce qu'ils avaient montré en regardant ici, en fait, la déflexion de picots sur lesquels la cellule s'étale, c'est qu'en fait, au moment du changement ici de régime, il y a ici une force qui augmente nettement. Donc la force de traction que la cellule exerce sur son substrat augmente à ce passage entre les deux régimes. Donc là, vous voyez, je veux en venir, c'est qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui se passe ici au cours de l'étalement qui fait que les forces vont augmenter. Et éventuellement, si les adhésions, les adhérences sont mécanosensibles, éventuellement, je peux mettre en branle, encore une fois, à cette étape de l'étalement, des boucles de rétroaction biochimiques. Alors, ce qu'on a fait, la première étape toute simplissime, on peut avoir une cellule dans son milieu de culture, on la met à étaler, on observe par microscopie inversée, on fait ça en onde évanescente pour voir que les adhésions, donc en fait les encres que la cellule forme avec le substrat au cours de son étalement. Et donc là, vous allez voir un film. Donc vous allez avoir en fait augmenté la surface de contact. Et puis à un moment donné, sur le pourtour, voilà, vous allez apparaître des points très très intenses. Et ces points, en fait, c'est de la paxiline qui a été marquée. Hein. C'est des dons par des biologistes. Ils donnent les cellules avec des molécules marquées. Et cette paxiline, c'est une des molécules adaptatrices, une des molécules qui fait le lien entre les protéines transmembranaires d'adhérence et le cytosquelette qui produit la force. Alors ce que vous avez vu, c'est que ces adhésions sont apparues sur le bord,
à un moment donné de l'étalement. Donc la question, c'est de savoir évidemment, est-ce que ça c'est quelque chose de géométrique ou est-ce que c'est juste au bout d'un certain temps d'étalement que les choses se mettent en place. Donc ce qu'on fait, on peut quantifier tout ça. Donc on a ici le rayon d'étalement en fonction du temps, en bleu. Donc vous voyez qu'on voit réapparaître ce que les gens avaient vu précédemment, c'est-à-dire que j'ai une phase d'étalement rapide après un certain ralentissement. Et puis nous, ce qu'on a fait ici, on montre en parallèle la croissance des adhésions focales, donc ces fameuses molécules qui permettent l'adhérence. Donc vous voyez, au début, il n'y a pas grand-chose dans le signal. Et puis à un moment donné, proche de la transition dans l'étalement ici, vous avez une augmentation drastique de la fluorescence, donc apparition de ces adhérences. Donc là, on quantifie les choses. Et donc, comme je le disais, première question, peut-être que la cellule commence à faire des adhérences initialement, elle met en branle un certain nombre de réactions chimiques, ça prend un certain temps, et au bout d'un certain temps, je vois apparaître les adhésions focales qui se renforcent. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est géométrique? Donc, pour répondre à ça, il y a une manière de faire qui est... Alors, l'étalement cellulaire, il est contrôlé par la polymérisation dans le front du contact, de l'air de contact cellule-substrat. Et donc, ce qu'on sait faire, c'est, ou les biologistes, en fait, on peut mettre une certaine drogue ici qui s'appelle l'atrinculine A, certaines protéines dans le milieu. Et ce qui va se passer, c'est que je vais ralentir la polymérisation et donc je vais ralentir l'étalement. Donc ce que vous voyez ici, l'air de contact au cours du temps. Donc vous avez en noir les cellules dans son état normal. Donc vous voyez le premier régime, la pente est assez élevée, donc ça s'étale assez vite. Ici, en bleu, je mets ma petite molécule dans le bain. Ça va ralentir la polymérisation d'actine et du coup, je vais ralentir, la pente ici est plus faible, je ralentis l'étalement. Donc la cinétique d'étalement, c'est comme si je faisais une goutte qui s'étalait et je peux ralentir la cinétique en augmentant la viscosité, par exemple. Je ralentis la cinétique d'étalement et ce que je vais voir, ce qui m'intéresse, c'est que même si la cellule met beaucoup plus de temps, trois fois plus de temps ici à s'étaler, en réalité, le rayon de contact auquel vont apparaître les adhérences reste le même. Donc ce n'est pas une histoire de cinétique, de chimie, c'est vraiment une histoire taille de surface d'étalement. Donc je fais apparaître ici, je ne vais pas trop commenter la suite, je fais apparaître clairement qu'il y a quelque chose de géométrique qui contrôle l'apparition. Alors la question évidemment c'est qu'est-ce qu'il y a de géométrique qui peut contrôler l'apparition ici? Alors là c'est des images de microscopie confocale, donc on fait une reconstruction 3D ou latérale des cellules qui sont figées à différents moments de leur étalement. Alors vous avez en rouge l'actine qui est corticale, en fait, plus ou moins. Vous avez ici une enveloppe d'actine et aussi à la base. Donc vous voyez, ça ressemble beaucoup, comme ça, grossièrement, à une goutte, avec le corps de la goutte, ici un film d'étalement. Et ce qu'on a fait, bah, puisqu'on est physicien ou de la matière molle à l'origine, on va représenter la chose suivante. On va représenter le rayon de contact entre la cellule et le substrat de son étalement. En fonction de quoi? En fonction d'un angle de contact. Alors attention, l'angle de contact, il n'est pas défini comme on le définit d'habitude en physique. Ça, c'était juste un problème d'accroche avec les reviewers, parce que ça décroissait plutôt que ça ne croissait avec. Enfin, peu importe. Donc là, simplement, le point important, c'est que vous voyez, il se passe quelque chose. Le rayon qu'on a défini comme le rayon auquel apparaissent les adhérences, ce rayon, en fait, il corrèle, disons, avec le passage au-delà de 90 degrés. Donc quand j'en suis là, j'ai envie de me poser des questions. Donc c'est la forme 3D, je passe 90 degrés au moment de l'étalement, et donc j'ai envie de faire appel à quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre ici, de tension dans le cortex, et de projection de force au niveau du substrat, puisque je sais que les adhérences sont mécanosensibles, elles sont sensibles à la force. Plus j'ai de force, et plus j'aurai d'air des adhésions. Alors donc ça c'est le modèle, à ce moment-là, un modèle de manière de parler, c'est la manière dont on s'imagine les choses. Donc vous voyez, vous avez une cellule qui est déposée sur un substrat. Vous avez ici à l'avant, donc vous avez un cortex, donc actomyosine tensile, qui est sous la membrane, dans ma sphère. Au début, la cellule est sphérique dans un milieu en suspension, qui est un milieu à pression isotrope. Dès que je la pose sur le substrat, ce qu'on observe, ça a été décrit, ici, il va y avoir en fait une polymérisation de l'actine sur toute la périphérie. Cette polymérisation de l'actine, au début, elle est juste contrée par la tension de membrane, qui est assez faible. Donc j'ai en fait une vitesse de polymérisation qui est assez élevée. Et donc notre hypothèse, nous, pour dire qu'est-ce qui se passe à 90 degrés, quand vous allez passer les 90 degrés ici, toute la tension qui est dans le cortex, l'apex ici de la cellule, bah en fait, elle va être, qui était avant équilibrée en interne, la tension est équilibrée dans tout le pourtour, va être maintenant complètement appliquée, va être projetée sur la lamelle qui venait de pousser, et va en fait avoir une force rétrograde, centripète, qui va tirer vers l'arrière. Donc j'ai un front ici d'étalement
où je polymérise, je fais avancer le front de manière centrifuge. Et par la même occasion, quand je passe à 90 degrés, j'ai ici une force de traction qui, elle, centripète. Voilà. Donc à un moment donné, on peut se dire que ce changement de forme 3D peut en fait induire des forces de traction importantes qui vont faire glisser le film, l'actine, vers l'arrière et donc ralentir globalement l'étalement. Mais en plus, il y a de la friction ici, il y a des molécules d'adhérence, molécules transmembranaires qui sont attachées au substrat. Si elles subissent des forces vers l'arrière beaucoup plus fortes à cause de cette tension qui est projetée, alors je vais me mettre à faire pousser les adhésions. Et donc je couple finalement forme 3D, projection des forces et croissance des adhésions dont on a parlé tout à l'heure, qu'elles étaient très importantes pour la signalisation biochimique. Alors comment je peux tester cette idée ? Eh bien, la chose est la suivante, donc on va utiliser les techniques qu'on met au point. Donc je suis en train de dire que c'est la tension qui est dans le cortex ici qui va être projetée. Et donc je vais passer en fait de cette forme 2D à une forme 3D. Et je vais regarder maintenant une cellule qui s'étale entre deux plaques, dont une sert de lame ressort. Et ce que je vais faire en fait, c'est que je vais laisser la cellule s'étaler, changer de forme. Et normalement, je devrais avoir, avec le changement de 90 degrés, je devrais avoir apparaître les forces normales ici, qui sont les forces liées à ce cortex. Donc si je le transmets effectivement à un moment donné à 90 degrés, je devrais le voir sur la force de traction normale ici. Donc le système, juste, voilà, je disais que c'était deux plaques de verre, une calibrée en raideur. La cellule s'étale et éventuellement tire. Si elle tire par la déflexion que je mesure en temps réel, je peux mesurer la force. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Je peux mesurer donc la force à partir de la déflexion et de la raideur de la lamelle. Si je regarde la dérivée temporelle de ça, je peux aussi avoir la vitesse de contraction. On verra son importance tout à l'heure. On peut même avoir donc la puissance mécanique par unité de temps, donc l'énergie mécanique par unité de temps, donc la puissance que génère la cellule pour déformer le substrat. Donc tout est dans un milieu de culture, dans une chambre à 37 degrés. Concrètement, on a des cellules qu'on décolle, qu'on dépose, qui sont sous forme sphérique. On vient avec des espèces de battes de hockey, là. Donc c'est des micro-lamelles, avec une partie qui est une réglette déformable. On va venir avec une qui est assez rigide et l'autre un peu molle. On attrape, tout ça c'est sous contrôle d'un ordinateur, cristaux-piézoélectrique, et on va pouvoir attraper la cellule entre ces deux plaques parallèles, la remonter, donc elle flotte entre ces deux plaques parallèles dans le milieu. C'est un microscope inversé, donc on a en même temps l'imagerie, donc typiquement voilà, lame rigide, lame souple. Et ce qu'on va avoir en plus, c'est qu'on va avoir une détection en temps réel de la défection de la lame souple. Donc on peut avoir en temps réel une mesure de la force exercée par la cellule. Et éventuellement, on verra tout à l'heure, on pourra faire des rétroactions pour, et dans différents états qui vont nous intéresser. Donc voilà, simplement une cellule entre deux plaques parallèles, on filme. Et là, vous allez voir en fait en action, vous avez le temps caractéristique qui est là, donc c'est accéléré évidemment. Pardon, pourquoi il n'apparaît pas ? Ah. Ça, c'est dommage. Ah, ça y est. Voilà, donc vous voyez en fait la cellule s'étale des deux côtés. Vous voyez ici l'activité de la millipodiale à l'avant avec la polymérisation. Et vous voyez qu'elle tracte à ce moment-là la lamelle. Et on peut mesurer à partir de ça la force appliquée par la cellule. Alors, ce qui est intéressant, c'est la chose suivante. Donc, vous avez ici deux images du film. Donc, la cellule, au début, elle est plutôt sphérique. Si je faisais une analogie avec une goutte, elle est non mouillante. Et puis, elle va s'étaler, elle va former quelque chose qui est plutôt avec des bons angles de mouillage. Et ce qu'on voit ici en vert, la force de traction. Et en bleu, j'ai représenté deux diamètres caractéristiques. Un diamètre, diamètre contact avec la lamelle, donc là, qui est au début très petit, zéro même. Et puis, le diamètre équatorial, qui est plus élevé au démarrage. Et puis, à un moment donné, comme elle va changer de courbure, elle va passer par l'état cylindre. Et dans l'état cylindre, le diamètre de contact et le diamètre équatorial sont égaux. Donc je vais surveiller, en fait, je vais zoomer, et je vais surveiller le moment où je passe par cette forme cylindrique, donc où les deux diamètres sont égaux. Et je vais regarder le signal de force, et j'essaie de faire la corrélation pour savoir à quel moment ce signal de force, même bruité, sort du zéro. Donc je peux dire que ça y est, il y a de la force qui est appliquée. Et ce que vous voyez, donc je peux définir un temps où la cellule passe à 90 degrés, puis un temps où j'ai une force qui devient non nulle de manière mesurable pour mon instrument. Et ce qu'on peut faire, alors là il y a différentes choses, je ne vais pas commenter là, différents états, différentes rigidités, mais en tout cas ce qu'on voit c'est que clairement, là vous avez la même échelle en temps, on voit en fait que ces temps de 90 degrés et le temps de croissance, de génération de force, ils corrèlent, vous avez la pente 1 ici, donc c'est a priori en moyenne simultanée. Donc effectivement, j'ai ce passage par une forme avec un angle à 90 degrés, et c'est là où je fais apparaître les forces de traction. Donc c'est effectivement là qu'on projette les forces du cortex sur le substrat.
Du coup, maintenant, ce que j'ai envie de faire, c'est de montrer ça directement, c'est-à-dire maintenant faire la corrélation non pas entre la forme et la force de traction sur le substrat, mais directement entre la force et la pousse des adhésions. Et donc, ce qu'on va faire, donc là, très schématisé, on va passer de cette configuration, donc ça, c'est monter une nouvelle manip, en fait, concrètement. Et on va pouvoir maintenant faire la chose suivante. On est dans une géométrie, on va pouvoir observer, donc on tourne 90 degrés, on va pouvoir observer pendant l'étalement cellulaire et la mesure de force, toujours par la déflexion d'une plaque ici calibrée, on va pouvoir regarder, par onde évanescente, les adhésions focales, donc se concentrer sur la pousse des adhésions focales. Et donc là, on a, vous voyez le système ici, donc la chambre de culture, une cellule qu'on isole entre une plaque souple donc qui sert de mesure de la force de traction, une visualisation en TIRF, et donc ce qu'on va voir, c'est que globalement, oups, encore la même bêtise. Il faut toujours passer la diapo pour voir le film qui marche, je ne sais pas pourquoi. Voilà, ça s'étale. On voit de la même manière, deux plaques ou une plaque, peu importe. On voit encore une fois apparaître à un moment donné les adhésions sur le pourtour. Et si je regarde ici, donc je peux maintenant mesurer à la fois la force et regarder la croissance des adhésions. En vert, la courbe de force au cours du temps. Et en rouge, bah vous avez en fait l'air des adhésions focales. Et ce qu'on voit très clairement, c'est qu'on peut définir un temps, encore une fois, à laquelle la force devient non nulle. Et puis le temps à partir duquel je commence à voir apparition des adhésions focales. Et de la même manière qu'avant, ce que je peux montrer, en fait, c'est que... Alors attention, c'est un peu compliqué, là. J'ai représenté TA-TF, donc le temps à partir duquel je vois apparaître les adhésions, moins le temps de génération de force. Et donc, ça veut dire que si ce temps est positif, c'est que mes adhésions apparaissent toujours après la génération de force. Est-ce que vous voyez? Alors là, je l'ai fait pour différentes rigidités du substrat. Et on voit, si le substrat est infiniment raide, c'est quasi simultané. Par contre, plus le substrat est mou, plus, en fait, il y a du temps qui s'écoule, quasiment une minute ici, entre l'apparition de la force et l'apparition des adhésions. Donc là, vous voyez, j'ai corrélé forme globale lors de l'étalement, distribution des contraintes sur le substrat et contrôle de l'apparition des adhésions focales. Donc vous voyez, on a couplé finalement quelque chose qui est de la mécanique, de la structure, de la forme, à contrôle de l'apparition des adhésions focales. Alors, je n'insiste pas trop là-dessus, mais cette espèce de seuil en taille d'étalement et donc en forme cellulaire, en fait, finalement, quand on regarde dans la littérature, on le voit pour pas mal de choses. Alors, vous voyez évidemment une cellule qui s'étale. C'est beaucoup de tension sur le substrat. Donc, en fait, c'est aussi beaucoup de tension qui écrase le noyau. Et donc, il y a des gens qui ont montré qu'il y avait effectivement un seuil, même ici, sur le volume nucléaire et même derrière, sur un certain nombre d'expressions génétiques. Mais je ne vais pas insister là-dessus. Alors, pour ceux que ça intéresse, évidemment, ces questions, ça pose plein de questions. On a en fait ici une forme, j'ai dit, mais je pourrais montrer à la fin un film si vous le souhaitez, sur l'analogie entre étalement cellulaire dont je viens de parler et mouillage. On peut pousser ça et on peut se demander même, là je parlais de ce qui serait un peu l'équivalent de la tension de surface, c'est la tension corticale, actinomyosine, c'est actif. Mais en fait, il y a une relation qui est hyper importante, c'est la relation entre la tension de ce cortex et la tension de membrane, qui elle va contrôler pas mal l'activité d'un certain nombre de protéines transmembranaires, qui sont par exemple les canaux ioniques ou des choses comme ça. Donc ça, c'est tout un monde. Et puis par ailleurs, quand une cellule s'écrase comme ça, se met sous tension, elle change aussi la pression osmotique, et donc ça, c'est aussi des choses qui sont hyper importantes. Mais je vais passer à la deuxième partie et j'essaierai d'intégrer tout ça à la fin, qui était que la cellule, je disais, est sensible aussi, donc là, on l'a vu, elle est sensible à l'air d'étalement, mais elle est sensible aussi à la rigidité du substrat sur lequel elle s'étale. Alors ça, c'est une manip qui est super célèbre, qui est même passée, je crois, dans le monde diplomatique, tellement ça avait marqué tout le monde. On prend des cellules, en fait, qui sont des cellules souches, donc elles peuvent devenir n'importe quelle cellule, n'importe quel organe, d'une certaine manière. Et ce que les gens vont faire ici, ils vont cultiver ces cellules sur un substrat élastique. Et ce qu'ils vont faire, c'est que le substrat, c'est un polymère. Ils peuvent plus ou moins le polymériser, donc le rendre plus ou moins rigide. Et ce qu'ils vont faire, ils vont cultiver les cellules sur différentes rigidités. Alors là, vous avez trois colonnes, donc trois gammes de rigidité. Et ces trois gammes de rigidité correspondent à ce qui est connu de trois, disons, parties un peu caractéristiques de l'organisme. Alors pour ce qui est le plus mou, c'est plutôt le cerveau. Donc le cerveau, c'est la partie la plus molle de notre organisme, disons. Vous avez une zone qui est, enfin, une plage de rigidité plus importante ici, qui correspond plutôt à la rigidité de l'os,
du tissu osseux, hein, pas à l'extérieur, mais ce qui est à l'intérieur, parce qu'il y a un tissu osseux avec des cellules dedans. Et dans l'intermédiaire, vous avez le tissu musculaire, qui a une gamme de rigidité intermédiaire. Et donc, on va prendre les mêmes cellules souches, culture in vitro, même environnement chimique. Par contre, ils sont sur du substrat qui ont différentes rigidités. On peut regarder leur pouce après, ou leur croissance après 4 heures, 24 heures, 96 heures. Et ce qui est, en fait, ce que vous voyez ici sur le phénotype, donc la forme simplement des cellules, c'est que vous avez les cellules qui ont été mises sur quelque chose, un substrat qui mime la rigidité du cerveau. Bah, vous avez quelque chose qui ressemble dans la forme à des neurones. Et à l'inverse, si je vais jusqu'à quelque chose dont la rigidité, un substrat dont la rigidité mime la rigidité du tissu osseux, on obtient quelque chose qui ressemble à des ostéoblastes, donc des cellules du tissu osseux. Et donc là, c'est hyper marquant. Alors, bon, après, on peut doser tout un tas de molécules pour montrer que ce n'est pas juste la forme. Et donc, effectivement, ici, la rigidité du substrat suffirait à elle seule à diriger la différenciation, le destin des cellules. Alors, évidemment, la question, c'est encore une fois un mécanisme, comment la cellule peut sentir cette rigidité. Et par ailleurs, les auteurs, ce qu'ils ont montré, c'est que si on touche à l'activité de la myosine non musculaire, la myosine, encore une fois, c'est le moteur moléculaire, ce qui transforme l'énergie chimique en contraction dans la cellule. Si on coupe l'activité de ça, bah, ce phénomène ne marche plus. Donc, clairement, il faut de la contractilité. Alors, bah, là-dedans... Qu'est-ce que les gens proposaient quand on a commencé à travailler nous là-dessus? Eh ben, l'idée était relativement simple. On vient de discuter des adhésions focales. On a dit qu'elles étaient mécanosensibles. Et les gens ils disent en gros, OK, ben, je mets une cellule sur un substrat comme ça. Si le substrat est très mou, et alors là, j'ai la surface du substrat, dès que la cellule tire un tout petit peu sur son substrat, le substrat se déforme beaucoup. Je n'arrive pas à monter la force ici qui est appliquée. Et finalement, mes adhésions focales se déforment peu. Il ne se passe rien. En revanche, si j'ai un substrat très rigide qui résiste beaucoup, les forces augmentent drastiquement et mes protéines qui sont là-dedans vont être déformées. Les protéines sont repliées, il y a des sites qu'on appelle cryptiques, sites de réaction qui sont cachés. Si je tire et je débobine ma protéine d'adhérence qui est une sorte de ressort, je vais ouvrir les sites, les présenter au cytoplasme et je vais avoir des réactions en chaîne. Et c'est quelque chose qui a été montré. Très bien, bon, est-ce que ça c'est suffisant? Ben, en fait, j'ai envie de dire non. Et le non, c'est que là-dedans, ce qui est caché, c'est finalement, la question, c'est mais cette force-là, comment est-ce que cette force, c'est une machinerie, elle a quelque chose qui est plus ou moins rigide? Ça veut dire qu'il y a une charge qui est plus ou moins importante. Et comment s'adapte cette machinerie à la charge, en fait? Est-ce qu'il n'y a pas une réponse déjà qui est due à cette machinerie? Et donc, on va reprendre le système dont je parlais tout à l'heure. Et là, on a un système de choix, puisque je vais pouvoir mesurer la force en fonction de la rigidité, la vitesse de contraction. Je pourrais même avoir l'énergie mécanique. Donc, voir comment mon moteur, actine-myosine, mon générateur de force, s'adapte au milieu extérieur. Donc là, j'ai condensé un peu pour aller plus vite. Donc, vous voyez toujours une cellule qui s'étale entre deux plaques. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, alors dans un premier temps, on peut choisir, dans deux expériences différentes, deux plaques de rigidité différentes, et regarder en fait la force de traction en fonction de la rigidité de cette plaque sur laquelle je tire. Et ce que vous voyez ici, donc force en fonction du temps, et vous voyez que j'ai schématiquement une espèce de sigmoïde avec une force au plateau ici, et puis une certaine phase au cours duquel en fait, la force croît avant d'atteindre le plateau. Et ce qui est intéressant, c'est que quand je passe de la courbe blanche à la courbe noire, en fait, j'ai changé de lame, j'ai une lame de rigidité plus importante. Donc lame de rigidité plus importante, j'arrive à des forces disons stationnaires, d'équilibre, qui sont plus importantes, mais aussi un taux de croissance qui est aussi plus important. Alors, ce qui est intéressant, alors je ne vais pas rentrer, je pourrais répondre à vos questions tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut partir ici. On voit qu'il y a donc deux caractéristiques, le niveau de force et la dérivée temporelle de la force qui sont modifiées par la rigidité extérieure. Ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de mes équations, là, je peux transformer ça en variables qui sont plus intéressantes pour le physicien ou directement plus utilisables, disons, qui sont la vitesse de contraction en fonction de la charge, et la puissance mécanique en fonction de la charge. Et donc là, on a quelque chose qui est de l'ordre de, bah, je sais pas, comme on prend un moteur, on le met sur un banc, on peut regarder ici, je change la charge et je regarde en fait soit la vitesse de rotation, soit en fait la puissance mécanique qu'il est capable de délivrer. Donc là, je caractérise mon générateur. Alors la question, évidemment, c'est l'origine physique. Ok. En fait, ces courbes-là, je l'ai montré à l'époque dans un congrès, je savais pas très bien moi comment comprendre ça. Et il y en a un qui a levé la main et me dit, mais c'est Hill, c'est l'équation de Hill, c'est la contraction musculaire. Je dis merci, donc j'ai dû apprendre ce que c'était que la contraction musculaire. Alors, je vais juste vous faire un truc très rapide. Vous voyez que si j'en reste à ces courbes-là,
Et si je dis que j'ai envie de comparer à la contraction musculaire qui existe, hein, c'est rapporté dans les bouquins, il y a un truc qui est un peu embêtant, c'est que moi, je n'ai pas beaucoup de points expérimentaux, et à la limite, je peux faire passer tout et n'importe quoi, surtout que, en fait, concrètement, la contraction musculaire, alors ça, c'était un prix Nobel en 1938 par Hill, et ce qu'il a montré, en fait, il a pris des muscles de grenouille, on attache des petites masselottes à ces muscles, on excite soit avec un petit choc électrique où on met du calcium, le muscle se contracte et donc suivant la masse, on regarde la vitesse de contraction. Et ce qu'il montre, c'est qu'en fait, quel que soit le muscle, un grenouille, lévrier, il a fait pas mal, on a en fait cette loi qui relie la force, donc le poids en fait, et la vitesse de contraction. Vous avez trois constantes, donc là la constante qui a la dimension d'une force, la constante qui a la dimension d'une vitesse, et donc le tout ici, une autre constante qui est la puissance mécanique finalement. Et ce que vous voyez, c'est que c'est une hyperbole, et donc évidemment je fais croître. On a l'impression en fait qu'il y a une puissance mécanique qui est constante, qui est disponible et qui va se répartir en vitesse ou en force. Donc si je mets quelque chose de très très lourd, j'aurai une très faible vitesse de traction. Ok. Alors jusque là c'est bien, mais c'est pas génial pour la comparaison, comme je disais. Heureusement, et c'est ça qui va lui valoir le prix Nobel et qui va m'aider moi pour la suite, c'est que il observe que OK, il y a trois caractéristiques qui dépendent de chaque muscle étudié, mais par ailleurs, il y a encore deux autres caractéristiques, mais que vous allez voir ne compliquent pas le problème, mais le simplifient. Donc, il y a la vitesse maximale de contraction. Donc, à un moment donné, je diminue la charge, et à un moment donné, je vois la vitesse la plus rapide que peut faire le muscle en contraction. On y reviendra. Et par ailleurs, à un moment donné, il y a une force max à laquelle j'ai l'arrêt. C'est-à-dire, si je mets trop de charge, le muscle ne peut plus se contracter. Donc, c'est deux nouvelles caractéristiques de chaque muscle. Mais alors, au miracle, il se rend compte que pour tous les muscles qu'il teste, B sur V, donc ça, c'est sans dimension, c'est une vitesse, B sur V max, c'est égal à peu près à A sur F max, et c'est à peu près un quart pour tous les muscles. Et donc là, ce qu'il va pouvoir faire, cette équation-là qui avait trois constantes à ajuster, elle se transforme en fait en équation... en fait, sans dimension. Donc là, j'ai une force adimensionnée par la force max, j'ai une vitesse adimensionnée par V max, et il n'y a plus que R, qui est le rapport, qui vaut un quart. Donc, j'ai plus rien à ajuster. Et en fait, c'est dans les bouquins de physiologie du muscle, vous avez tous les animaux qui se mettent sur la même courbe magnifique, dite courbe de Hill, qui lui a valu donc le prix Nobel. Alors, je ne sais pas si vous n'avez peut-être pas commenté trop là. Et donc là, évidemment, on avait envie de jouer. Alors, j'ai passé tout un tas de choses qui nous montrent que nos forces de traction sont liées à l'activité actomyosine. Mais au final, on peut regarder aussi nos courbes vitesse en fonction de la charge et puissance en fonction de la charge, mais en variable adimensionnée. Donc là, c'est en rouge la puissance mécanique adimensionnée, en noir la vitesse. Et on a envie, sans aucun ajustement, faire passer les courbes de Hill. Voilà. Et donc, quand j'ai fait ça, évidemment, c'est hyper impressionnant. J'étais super content, inutile de vous le dire. Et donc là... ce qu'on voit finalement, c'est de dire que les générateurs, on leur applique une force croissante, et ces générateurs, ils ont leur propre manière de répondre. Et ça suffit à expliquer en fait une sortie, une énergie vers le milieu extérieur qui va être variable suivant la charge. Alors, je peux peut-être commenter quand même deux secondes ça, parce que c'est quand même intéressant. Alors, l'actine myosine, il faut bien comprendre. Alors, on peut se poser une question, c'est par exemple, comment est fixée la vitesse maximale qui est là ? En fait, charge nulle, donc j'ai en fait une raideur nulle, qu'est-ce qui fixe la vitesse maximale ? Alors ça, c'est comme d'habitude, ça veut dire en fait c'est une résistance interne. Donc si je vais schématiser un peu avec les mains, vous me dites si vous ne voyez rien ou si ça ne va pas du tout. Donc là, je vais représenter deux choses. Un filament d'actine, le moteur de myosine. Alors le moteur de myosine, il a pour ceci qu'il a deux parties, une tête et une queue. Alors les moteurs vont pouvoir s'arranger entre eux pour former carrément des fibres contractiles, mais prenons pour l'instant un moteur. Ce qui se passe en fait, de base, vous attachez une molécule d'ATP, ça change la conformation. Il se met juste à la jointure entre la tête et la queue, et ça change la conformation. Donc ça c'est libre, j'attache, ça change. Bon, maintenant, quand j'ai des fibres, donc je ne peux pas faire la fibre, mais ce n'est pas grave, à un moment donné je m'attache, si maintenant je viens coller ici de l'ATP, il va bien falloir changer la forme, mais si je change la forme et que je suis attaché par ailleurs, ça veut dire maintenant qu'il y a de la tension élastique. Ça, c'est le modèle de Huxley qui explique la contraction musculaire. Je stocke de l'énergie ici dans la queue qui est tendue à cause du changement conformationnel, et la seule manière de relâcher ça, c'est de faire un mouvement relatif, une contraction. Donc, changement de conformation, donc chimie, tension mécanique, relâchement par le mouvement relatif. Donc, si je mets maintenant une charge nulle,
dans ce système. Alors, il faut imaginer que je n'ai pas juste une tête et un filament, mais il y en a plein, en fait, qui forment la fibre musculaire. Quand une s'attache, tension, relâchement, si j'ai aucune charge, j'ai envie de dire que la vitesse, elle devrait quoi, augmenter indéfiniment. Aller à la vitesse de la lumière, c'est quoi? Il n'y a pas de charge. Et en fait, le seul truc, c'est qu'il faut tenir compte d'une dernière chose, c'est que cette liaison chimique a une certaine durée de vie. Donc, si je vais très vite, en fait, je vais pouvoir faire mon mouvement qui est relâché pour remettre la bonne conformation, mais je vais rester attaché. Et si je reste attaché ici, les autres molécules travaillent dans le même temps. Si je suis attaché maintenant et qu'une molécule essaye de faire la contraction à son tour, et maintenant je deviens un frein, je suis attaché, je fais un lien entre deux et je ne peux plus glisser librement. Donc ça veut dire que ce qui limite la vitesse de contraction à charge extérieure nulle, c'est en fait toutes les têtes qui n'ont pas pu, après avoir travaillé, n'ont pas pu se relâcher et qui constituent en fait un frein interne. Et donc qu'est-ce qui va se passer quand je reprends ma courbe qui est là? Donc à partir d'une rigidité nulle ou d'une charge nulle, il faut pas que je m'allume la rétine, donc là, j'ai une vitesse maximale qui est due, en fait, toute l'énergie chimique est transformée juste à travailler contre la structure interne. Donc ça, c'est typiquement quand vous êtes sur un vélo, vous voulez faire une course et vous vous dites, tiens, je vais mettre un tout petit braquet, c'est facile. Vous moulinez très vite, vous n'avancez pas, donc vous ne voyez rien vers l'extérieur, mais par contre, vous transpirez quand même. C'est-à-dire qu'il y a un échauffement interne. Si j'augmente la rigidité ou j'augmente la charge à l'extérieur, donc je vais évidemment, pour une force donnée, je vais avancer moins vite, et à la limite, je peux avoir un cas idéal où une tête s'attache, travaille à sa vitesse, et juste quand j'ai fait la bonne conformation, ma durée de vie moyenne est atteinte et je me détache. Donc je ne suis plus un frein, et là je suis au sommet qui est là. Et donc là, ce qu'on est en train de dire, c'est vraiment, voilà, la machinerie cellulaire a sa propre réponse à la charge, et ça, ça peut suffire à expliquer une tension qui est adaptée à la rigidité du milieu extérieur. Bon, quand je le dis là, je me dis même que ça peut expliquer tout un tas de phénomènes qui sont observés. Et donc, je prends pour l'instant, encore une fois, cette espèce de schéma de pensée, disons. Donc, j'ai une cellule qui est là en suspension, elle est isotrope, il y a une tension corticale qui s'adapte au milieu, qui a juste une pression extérieure isotrope. Et puis, à un moment donné, je dépose cette cellule sur un substrat. Alors, c'est des vraies manips qui existent, hein, un substrat qui est, je montrerai après, un substrat qui a un axe, celui-là, qui présente une rigidité faible, et puis un autre axe ici qui présente une rigidité forte. Et ce qu'on sait, c'est que la cellule, dans ce cas-là, va s'étaler suivant l'axe fort. Alors nous, si j'essaie d'intégrer tout ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, je vais pouvoir dire une chose, c'est que je sais que la force de traction s'adapte très rapidement, ça diverge là. J'ai une force qui va être plus importante quand le substrat résiste plus fort. Donc j'ai envie de dire qu'à partir du moment où je me mets à m'étaler, ici, donc la tension qu'il y a dans le cortex ici, elle va être répartie sur le substrat, comme je disais. Suivant l'axe ici, là, j'ai une grosse résistance, j'aurai très rapidement une force qui va être très importante. En revanche, suivant l'axe orthogonal qui est de faible rigidité, la force va croître moins vite. Et donc j'ai envie de dire que la tension qui est dans le cortex, dans le dôme, va devenir très rapidement anisotrope. Et les forces qui sont ici au point d'ancrage ne vont pas être les mêmes suivant l'épaule de cet axe que suivant l'épaule de cet axe-ci. Et donc là, a priori, au cours du temps, je vais recruter, je vais amener, je vais concentrer des protéines dans ces deux pôles-là et pas tellement dans cet axe-là. Donc finalement, j'ai un substrat qui est, dans la mécanique, est anisotrope, qui va induire éventuellement une tension mécanique dans le cortex, et ça c'est l'actinomyosine, c'est juste la réponse à la charge, qui va être anisotrope, et qui va se traduire, par le lien entre force et chimie des adhésions, par une distribution chimique dans la cellule, une concentration qui est anisotrope. Donc vous voyez, c'est un espèce de schéma de polarisation. Alors le truc, c'est que... pour l'instant, alors maintenant il paraît qu'il y a des sondes fluorescentes pour savoir la tension, pour voir si c'est anisotrope ou pas. Comment on peut essayer de tester ce scénario? L'idée, c'est que normalement, je dis que le substrat est anisotrope, ça va m'induire une anisotropie de la tension. Ça, d'après ce que je viens de dire, c'est quelque chose qui est lié au moteur, et donc c'est quelque chose qui devrait être mécanique, et donc devrait être très rapide, même à la vitesse du son. C'est-à-dire, dès que je change la charge, je suis capable de sentir cette charge changée, et ma machinerie s'adapte instantanément. En revanche, ces protéines, la réponse de ces protéines, c'est des réactions en chaîne, et ça demande au moins une minute. Donc l'idée, c'est de se dire à ce moment-là, si je vous montrais qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, avec ces flèches, il faudrait que je puisse mesurer le temps de réponse de ma cellule à une variation, disons, rapide, instantanée, de la rigidité extérieure. Et donc comment on va faire ça? On l'a fait. Et on va le faire en fait par un système, je vous disais tout à l'heure qu'on a un système de rétroaction quand on mesure la force de traction. Alors voilà, j'ai des cellules sur un substrat ou dans notre dispositif avec une lame qui est défléchie. Dans tous les cas, ce que vous voyez ici, c'est que la cellule, quand elle se déforme,
la déformation cellulaire et la déformation de ma sonde élastique, que ce soit le substrat ici ou que ce soit mes deux plaques, c'est égal. Et donc, on est un peu tributaire, c'est-à-dire que du point de vue de la cellule, j'ai dF sur dL, c'est la rigidité du ressort extérieur. Donc l'idée ici, pour pouvoir changer ces traders en temps réel, c'est de pouvoir découpler la déformation cellulaire de la déformation de ma sonde élastique. Donc là, maintenant, j'ai un autre schéma. Alors, excusez-moi, c'est un peu chargé. Là, vous avez le ressort extérieur qui me sert de sonde de force. Là, vous avez la cellule qui tire entre les deux plaques. Et donc là, c'est un schéma. Ce qu'on va faire, en fait, on va mettre en place une boucle de rétroaction puisque je peux mesurer la position de ce contact entre ressort et cellule. Et je vais demander en fait, à un système d'asservissement de me maintenir cette position fixe au cours du temps dans l'espace. Et là, je vais avoir deux choix. Donc, c'est deux cas limites. Je vais l'expliquer comme ça. Dans un premier cas, la cellule va essayer de tirer, donc va se contracter. Elle devrait allonger le ressort. Donc, une manière de faire, c'est de rétroagir sur la base du ressort et de faire un espèce de bras de fer avec la cellule. Donc, je tire, je tends le ressort. Donc, la cellule essaie de tirer et moi, je tends pour compenser la force cellulaire. Donc, si je fais cette boucle verte, là, vous voyez ce qui se passe, c'est que la cellule essaye de tirer, je compense. Et donc, de son point de vue, les deux bords ne se ramènent jamais, elles n'arrivent jamais à se contracter. Donc, elle a affaire à un substrat qui est infiniment rigide, comme s'il avait deux murs. Par contre, ce que j'ai gagné là, si j'avais fait un vrai ressort infiniment raide, je ne pourrais pas voir sa déflexion parce qu'il serait indéformable. Là, ce que j'ai gagné avec cette boucle de rétroaction, c'est que je peux aller au cas limite, raideur infinie, et moi, je continue à mesurer ici l'allongement du ressort. Donc, je peux faire une mesure à raideur infinie. L'autre cas extrême, c'est OK, la cellule essaie de tirer, d'allonger le ressort, et plutôt que d'aller déformer le ressort, ce que je vais faire pour maintenir toujours cette position fixe, je vais aller agir sur la base de la lame rigide, donc je vais en fait accompagner la cellule dans sa contraction. Donc ce qui va se passer dans ce cas-là, comme le ressort ne change pas de longueur, la force n'évolue pas, par contre, la longueur de la cellule évolue. Donc cette fois-ci, la cellule peut se contracter sans avoir à augmenter la force qu'elle applique, et donc elle a affaire à un substrat qui est infiniment souple, donc raideur nulle. Donc ça, c'est les deux cas limites, en fait, ce qu'on va voir à l'instant. Donc elle, ce qu'elle voit, elle voit en fait, entre guillemets, pardon de la faire parler, elle voit une force qui évolue à différentes pour différentes variations de longueur. Et donc, j'ai différentes relations dF sur dL, donc j'ai différentes raideurs effectives pour la cellule. Je réinsiste un coup pour être sûr que... Donc, voilà vraiment le schéma de la manip. Okay. Et on va faire deux choses. Donc, la cellule essaye de défléchir la pointe de la lamelle. Ce que je vais faire ici, je vais appliquer, alors, pour une part, une déflexion de la lame souple à sa base. Donc, j'augmente la force pour compenser la force cellulaire. Et dans le même temps, je vais avoir un déplacement de la lame rigide qui va en fait moduler la longueur en fonction, encore une fois, de la contraction cellulaire. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à chaque fois, je m'intéresse au rapport force de traction cellulaire sur variation de longueur cellulaire. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que la force est directement liée à la boucle de rétroaction qui me module la déflexion de la lame souple. Donc ça, c'est moins la force cellulaire, c'est K fois delta. Okay. Et par ailleurs, l'allongement cellulaire, c'est directement la valeur de ma correction sur la lame rigide. Donc, à chaque instant, K effectif pour la cellule, c'est la variation de force qu'elle est en train d'appliquer sur sa variation de longueur. Et donc là, je fais apparaître K, la vraie rigidité de la lamelle. Par quoi ? Par le rapport entre mes deux composantes de boucle de rétroaction. Donc, si je module, je mets tout en d delta et la 0, j'ai une raideur infinie, ce qu'on a vu tout à l'heure, la boucle du haut. Si je mets tout en correction sur la lame rigide, donc je ne change pas la force, je ne change que la longueur, là, c'est valeur nulle, et si je fais n'importe quel rapport entre les deux, et ça c'est par l'ordinateur, j'ai une valeur de rigidité intermédiaire. Donc ça va me permettre de changer la rigidité en temps réel et de regarder comment la cellule réagit, surtout à quelle vitesse. Alors je vous mets des films, alors des fois c'est saccadé, c'est pas très joli, mais enfin quand ça marche, c'est bien quand même. Donc à gauche, vous avez une cellule qui tire sur une plaque très souple, donc ce qu'on va voir, c'est que la vitesse de contraction est très rapide. Là, vous avez une cellule qui tire sur une lame qui est rigide, donc ça va être une très très lente contraction. Et puis là, notre système, où je vais juste afficher ici blanc, noir, faible rigidité, forte rigidité, et on va voir que la vitesse de contraction va s'adapter. Donc d'abord, un film avec une lame sans aucune rétroaction. Oh, d'accord. Pardon. Ça y est, il ne veut plus. Il est pénible avec ça. Je l'avais, je ne l'ai plus. Bon. Et le temps... Ah, voilà. Donc là, vous avez une cellule, donc c'est accéléré, mais ils sont tous accélérés à la même vitesse. Donc voilà, une cellule qui a peu de résistance se contracte très très vite. Là, ça va être plus sux parce qu'il va falloir suivre. Ça ne va pas bouger beaucoup, donc si je me mets là,
la lame descend tout doucement. Elle est très très raide, donc ça résiste. Et puis là, maintenant, on peut jouer au petit jeu de modifier la rigidité. Donc, vous n'allez pas voir grand-chose ici parce que je régule la position de cette pointe. Et seulement, ce que vous allez voir, c'est la contraction qui va changer suivant la rigidité extérieure. Ah. Alors, mon Dieu. Qu'est-ce qui me fait ? Bah, donc, d'abord, rigidité faible en blanc, ça va vite. Après, noir, ça va se ralentir. Nouveau faible, ça va remonter plus vite, et ainsi de suite. Alors bon, évidemment, les films, c'est les films. Je vais juste regarder, pour finir, ces courbes. Donc, vous avez ici force en fonction du temps. Pour une lame, sans aucune contrainte, là, c'est vraiment les références. Donc, lame souple, lame rigide. Et puis maintenant, on va faire la chose suivante. En rouge, vous voyez, je change la rigidité apparente de la cellule, enfin que voit la cellule en fonction du temps. Donc j'aborde, je mime la rigidité faible de cette lame-là. Après, je passe à une valeur haute qui mime ce qui se passe dans cette expérience-là, et ainsi de suite. Et ce que vous voyez, en fait, c'est que la courbe de force en bleu, quand je module, ben, elle n'arrête pas de zigzaguer. Elle est entre les deux, globalement. Et elle n'arrête pas de zigzaguer. Ce que vous voyez qui est un point important ici, c'est que la pente, par exemple, là, je suis dans une phase où je mime ce qui se passe dans l'expérience avec cette lame-là, on voit que la pente ici, qui est liée en fait à la puissance mécanique, est la même. Donc vous avez en fait des cassures de pente. À chaque fois, je change la rigidité, ça se casse. Et alors le point que je voulais souligner tout à l'heure, j'avais dit qu'un point intéressant était le temps de réponse. Là, en fait, on a zoomé sur un passage d'une valeur haute de rigidité à une valeur basse. Là, on a vraiment tous les points expérimentaux. On voit en fait point par point. On a une vitesse d'acquisition qui est à 0,1 seconde. Et ce que vous voyez, c'est que quand je change ici, la rigidité, je vois une cassure de pente et il n'y a pas tellement c'est vraiment instantané. Ça va aussi vite que moi, en fait, je peux mesurer. Et donc là, avec ça, je termine et je reviens à ce. Donc, ça c'est donc le substrat dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, les gens font pousser des cellules sur des picots. Les picots ici, au lieu d'être cylindriques, et j'ai fini, hein, au lieu d'être cylindriques, ils sont en fait une section qui est elliptique. Et donc, ce que vous allez voir, vous avez autant de ressorts. Ils sont souples dans la direction où ils sont les plus minces, très rigides dans la direction où ils sont les plus épais. Et quand ils étalent des cellules, alors soit des cellules, soit des agrégats cellulaires, vous avez ici l'orientation des cellules ou des agrégats en fonction de l'angle. Alors l'angle 0, c'est l'angle de l'axe le plus rigide. Vous voyez en fait que les cellules s'étalent suivant l'axe le plus raide. Et donc, moi, aujourd'hui, je peux dire que cette image qu'on donne là, en disant que ce processus intégré d'anisotropie, de mise en place de l'anisotropie cellulaire, il semble plausible, puisque ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, la tension s'adapte instantanément. Et une fois que cette tension s'est adaptée instantanément, la tension dans le cortex, on imagine qu'au temps plus long, évidemment, les adhésions focales, on l'a montré plusieurs fois, vont pouvoir se mettre en place suivant un patron en fait, de tension corticale et donc d'anisotropie du substrat. Donc vraiment, deux derniers mots. J'en parle pas parce que c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est une collaboration avec Jocelyn Etienne de Grenoble. En fait, tout ça, Jocelyn était capable de le modéliser vraiment avec un gel de polymère semi-flexible ponté par des liens actifs donc, qui génèrent de la tension, donc ce sont les myosines. Il peut vraiment tout décrire. Il faut juste la vitesse de polymérisation de l'actine et le module du gel globalement. Avec ces quatre paramètres, il peut décrire parfaitement toutes les expériences que je vous ai montrées. Et moi, j'avais trouvé ça remarquable. Donc, je vais sauter ça parce que ce n'est pas la peine. Voilà. Et donc, je termine là en remerciant beaucoup de monde. Je ne vais pas pouvoir tous les citer. Ce que je vais faire juste, c'est me concentrer sur les quelques étudiants qui ont fait le boulot. Et dont je vais dire deux mots. D'abord, Jonathan Fouchard, donc c'est lui qui, au cours de sa thèse, a fait le dispositif qui a permis de regarder cette histoire d'étalement cellulaire, projection de force et croissance des adhésions. Il est en postdoc en Angleterre. Il cherche un poste et je suis un des plus grands fans et supporters. J'espère qu'il y arrivera rapidement. Démosthène, il a travaillé sur l'analogie entre le muscle et la contraction musculaire. Alors là, il est retourné en Grèce. Alors c'est pareil, il a eu beaucoup de mal à trouver un poste en France. Là, il fait des projets européens. Il essaye de monter un labo en Grèce, mais ce n'est pas super facile. Il y a aussi Pauline, mais je n'ai pas trop parlé de son travail, mais elle a participé quand même notamment à cette histoire de passage à 90 degrés. Pauline Durand, qui a plutôt fait de la mécanique des plantes, mais je n'en ai pas parlé aujourd'hui. Et pour finir, Nathalie, qui a aussi travaillé là-dessus et qui a maintenant, en fait, elle travaille dans une start-up pour en fait travailler à la valorisation entre science et industrie. Voilà, merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, Atef. Est-ce qu'il y a. On a un petit peu de temps pour quelques questions. Qui veut se lancer ?
Bonjour. Bonjour. J'ai une question. La cellule, elle se contracte parce qu'elle cherche, enfin, elle se contracte sur elle-même entre les deux substrats parce qu'elle cherche au maximum à adhérer sur les deux substrats ou parce qu'elle cherche à garder une forme. Alors c'est une question à laquelle en fait, je suis incapable de répondre pour savoir ce qu'elle cherche. Je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, si tu veux, c'est que quand certaines, enfin, de nombreuses cellules, mis à part les cellules circulantes, donc globules rouges, globules blancs, qui sont en fait dans le sang, transportés par le sang, mis à part celles-là. Toutes les cellules sont adhérentes entre elles et à la matrice extracellulaire. Elles forment les organes. Voilà. Donc, encore une fois, mis à part les cellules de l'immunité circulante, les autres, elles forment des attaches. Et quand je dis attaches, je ne pense pas que j'ai un... En fait, ces attaches sont hyper importantes. Au-delà de former, par exemple, un foie, okay, toutes les interactions, elles se font par la surface. Tous les échanges se font par la surface. Donc, si tu veux créer de l'interface avec les voisines, avec le milieu, quand c'est l'intérieur d'un vaisseau sanguin, c'est vital. Donc là, c'est un peu bizarre parce qu'on les met sur des substrats synthétiques, donc tu leur donnes de la surface, elles s'étalent de manière... Celles qui sont d'habitude étalées, qui font du contact, donc pas les cellules circulantes, augmentent leur surface. Et elles sont heureuses, entre guillemets, prolifèrent quand elles ont de la surface. Mais le pourquoi est difficile à dire, je ne sais pas ce qu'elle cherche, mais en tout cas, c'est vrai que créer de l'interface entre elles et entre le milieu, le substrat, c'est vital. Ok, merci. Merci, j'aimerais rebondir justement là-dessus. Si je considère des cellules qui sont attachées à d'autres cellules que les mêmes, un amas. Oui. Dans ces cas-là, en fait, la rigidité du substrat, c'est la rigidité de la cellule. Oui. Et donc, les résultats que vous montrez montrent que finalement, la rigidité de la partie extérieure conditionne l'orientation de la cellule. Oui. Et je trouve, d'accord. C'est quand même rigolo, mais OK. Merci, parce que... la question qui est très dure, en fait, c'est que là, évidemment, on est en milieu un peu, in vitro, quoi. Donc, on sépare les choses. Donc, dans la réalité, les cellules dans l'organisme, elles ont toujours affaire à d'autres cellules, mais aussi, par exemple, à la matrice extracellulaire. Et au-delà de la matrice extracellulaire, si je parle, par exemple, de cancer, il y a beaucoup de choses autour du cancer, souvent, ce qui fait la rigidité, les cellules tumorales sont souvent très molles, mais elles s'organisent, elles font des tumeurs, et là, en fait, elles produisent de la matrice extracellulaire, elles sont plutôt rigides. Donc, en fait, ce qui est toujours très compliqué, c'est de dire, je peux être sensible à la rigidité, mais de quoi? Et en fait, dans l'organisme, quelle est la chose importante? Est-ce que c'est la forte rigidité de la matrice dans la tumeur, ou est-ce que c'est la cellule voisine? Alors, je vais juste vous montrer un truc, du coup, j'en profite. Hein. Voilà. Je vais te montrer ça. Voilà. Ça, j'en suis hyper fier. Donc ça, c'est des choses qui ont été faites. J'en ai pas du tout parlé aujourd'hui, parce que justement, je parlais fonctions. Et une des choses qu'on sait faire et qu'on a fait en premier, en fait, avec toutes nos expériences, là, nos techniques, la première chose à faire, c'est vraiment de la rhéologie. Donc je prends une cellule, je me dis c'est quoi la déformabilité, ça ressemble à quoi cette cellule d'un point de vue rhéologique. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était un amusement, entre guillemets, ça peut être un joujou de physicien. Et ce qu'on a fait avec Claire Yves-Rose, qui est à l'Institut Curie, qui est immunologiste, elle, ce qu'elle voyait, c'est que donc vous avez le système immunitaire, vous avez la cellule T, le lymphocyte T, qui orchestre la réponse immunitaire, mais pour agir ou pour s'activer, en fait, il interagit avec des cellules dites APC, les cellules présentatrices d'antigènes. Donc c'est elles qui patrouillent, elles chopent les marqueurs des corps étrangers et elles viennent présenter. Et quand il y a effectivement un corps étranger, la cellule T s'active et la réponse immunitaire se met en branle. Et la question qu'elle me posait, elle est venue, elle avait vu ce que j'avais fait sur la rigidité. Ce qu'elle voyait, c'est que les cellules présentatrices ont différentes formes, tailles, même formes. Et elle s'est demandé, et du coup, quand elles interagissent avec la cellule T in vitro, sous son microscope, elles voient en fait que les aires de contact ne sont pas les mêmes. Et elle s'est demandé, est-ce que ça peut être lié à une rigidité différente? Et donc, ce qu'on a fait, et c'est ce qui est intéressant là, en fait, à l'Institut Curie, ils prélèvent sur patients des monocytes, et à partir de ces monocytes, donc c'est des cellules circulantes, ils vont pouvoir, alors ça c'est très connu hein, chez les biologistes, ils vont pouvoir, par certains cocktails, les différencier alors en macrophages, ou en cellules dendritiques, par exemple. Et une première chose qui est intéressante, vous voyez ce que j'ai mis là, en fait, alors c'est moche, par contre, mais c'est le module apparent de la cellule que nous, on mesure.
Et donc, ce que vous voyez déjà, c'est que là, c'est une échelle verticale. Là, je suis à peu près autour de 500 pascal. Et ce que vous voyez, c'est qu'à partir d'une même cellule, je fais la différenciation, donc elle devient dendritique, la raideur ou la rigidité diminue. Et si je passe en macrophage, ça, c'est carrément drastique, je suis passé à 1000, j'ai doublé. Donc, avec le changement de nature, entre guillemets, j'ai un changement de rigidité apparente. Ça, c'est une première chose intéressante. Deuxième chose encore plus intéressante, ça, c'était le jaune, je différencie. Je peux mettre des conditions inflammatoires. Donc, par exemple, le LPS, c'est bactérien, si mes souvenirs sont bons. Donc, on peut mettre en place différentes choses dans la soupe pour mimer invasion bactérienne ou inflammation due à un virus. Et ce que vous voyez ici, c'est que quand je passe en inflammation, ce même macrophage va avoir en fait une rigidité qui va être encore augmentée de manière drastique. Donc, ce qui est intéressant ici, ou inversement ici, TNF gamma, ça descend. Donc, vous voyez en fait que les conditions inflammatoires, elles aussi, modifient la rigidité apparente. Alors, par ailleurs, on peut mesurer la rigidité des cellules T elles-mêmes, et on voit qu'elles sont très très molles. Et donc, on peut se demander, comme un peu, une gouttelette d'huile avec une autre chose, ils viennent interagir à la surface, ça forme des aires de contact qui sont différentes suivant, les tensions différentielles, ou quelque chose comme ça. On peut imaginer la même chose. Alors, par contre, ça, je crois que je ne l'ai pas là, parce que je n'étais pas très optimiste sur. Oh, si, quand même. Ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut, en fait, on peut carrément fabriquer. Oh, pardon. Attends. Oui. J'arrête. Je te coupe. Non. Pardon. Je suis pris, ça y est. Pardon. Est-ce qu'il y a une dernière mini question, Alexis? Donc, merci pour la présentation. Excuse-moi. Moi, j'aurais une question, c'est concernant parmi les premières slides, en fait, vous montrez donc des cellules musculaires à différents modules de Jung, et donc on voit qu'au fur et à mesure qu'on augmente le module de Jung, eh bien, on arrive à avoir une structure saine entre guillemets. Oui. Et ce qui est un petit peu cohérent par rapport à ce qui a été raconté, c'est-à-dire que on va avoir une rigidité du milieu qui finalement va stimuler la croissance, enfin l'étalement des cellules. Et en fait, ma question, c'est par rapport à justement la dernière photo. On voit que pour la plus haute valeur de module de Jung, on rechute en fait. On n'a pas un développement normal, entre guillemets. Oui. Est-ce qu'on arrive à le comprendre à l'heure actuelle? Non. En fait, si tu veux, moi, finalement, je dans une zone de confort. C'est-à-dire que moi, je fais la partie mécanique, je reste là. J'ai dit juste l'histoire de pousse des adhésions, mais après. Toute étape aller jusqu'à la différenciation. Non. Alors on essaie de faire là actuellement, nous en tant que physiciens, enfin maintenant qu'on commence à devenir de plus en plus bio, on essaie de faire des choses au niveau du myotube justement. Donc essayer de faire des mesures et donc avancer d'un cran dans la différenciation. Pour l'instant, au niveau de la cellule, on n'a rien à dire sur la. Alors il y a des gens qui travaillent sur l'inférence, disons, si tu veux, entre tout ce qu'on a montré là et les boucles biochimiques de régulation, mais ça devient hyper compliqué. Merci. Donc désolé, pas de réponse là-dessus. Il n'y a pas de problème. On va remercier une dernière fois à Thèse. Merci à vous.